Les tchouches, l'ours de derrière. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et vous pourrez récupérer avant d'attaquer la dernière difficulté, le bois brûlé. Ça monte assez bien. Kilomètre 8. On me dit que c'est OK. 4, 3, 2, 1, top.
Et donc tu fais partie du challenge que je vois probablement ça, c'est une amie ou pas. J'ai gagné comme l'année passée. Oui, c'est merveilleux ça, oui. Tous ceux qui participent, évidemment, c'est pour gagner. Et même si on n'y arrive pas, ben voilà, on a, c'est une victoire sur soi-même. Franchement, j'espère que cette première édition, enfin cette première épreuve du challenge Val des Châteaux va te porter chance. Et félicitations encore à toi et bonne chance pour la suite du challenge. On se retrouve à la remise des prix, évidemment. Alors, Christelle Charlot, la deuxième fille, arrive. De nouveau, on peut l'encourager parce que c'est franchement une belle performance. Jessica nous l'a dit, le parcours est très difficile, il est boueux. Il y a du vent parce que vous allez sur les hauteurs des repas là. Donc, on peut franchement. Et la troisième, Anaïs aussi, on peut les encourager, franchement. Merci à elle. On aimerait qu'elle fasse nous faire un petit coucou, comme ça on aura aussi leurs impressions. On sait que ce journey était difficile. Vous avez d'autant plus de mérite, tous évidemment, du premier jusqu'au dernier. Allez, Dimitri ! Allez, capable d'économiser 25 000 coureurs. Oh, pardon, 40 000. Oui. Voilà, félicitations, déjà la quatrième dame est arrivée, sans parler de tous les messieurs qui ont déjà bouclé la grande distance. Là, on commence à les reconnaître parce que ils sont un peu plus beaux que ceux qui ont fait les 5 kilomètres. Bravo à tous, messieurs. Ça a été Charlotte ? Ah, super. Eh oui, je reconnais le chien. Extraordinaire. Bravo, bravo, madame. Et comment s'appelle-t-il ce toutou ? Farou. Bravo à Farou. Voilà, voilà, félicitations madame. Oh là, le sprint pour la place, ça compte évidemment dans un challenge. On a déjà la sixième qui sprint aussi, Jennifer, juste devant une dame qui termine aussi. Ah, bravo madame, félicitations. Et elle est au bout d'elle-même, je le vois bien. Bravo madame. Je vais faire mieux aussi.